Elias Wecker qui prend la tête de la compétition devant Voropaev, alors que Jesús Carballo va débuter, un Espagnol qui n'est pas à négliger puisqu'il avait terminé premier au championnat du monde de Porto Rico. C'est un gymnaste atypique dans son travail, et Eric nous le soulignait, il utilise des difficultés qui sont dans le code de pointage et que pratiquement personne n'utilise afin d'arriver à partir sur 10. Eh bien, pourtant, je pensais que c'était impossible de rater ce mouvement. Mais c'est un peu le même type d'erreur que vous hier soir. Exactement. Probablement, il a dû le faire des milliers de fois à l'entraînement. Et là, sur quelque chose qui paraît totalement simple, eh bien, il chute. Il a eu du mal à engager son bourrelet, sûrement voilà, de sa manique. C'est vrai que les maniques possèdent des bourrelets qui permettent de mieux enserrer la barre et de ne pas la serrer avec la main. En vérité, elle est maintenue par le bourrelet. Et comme le disait Eric, eh bien, le bourrelet est passé à côté. Et il enchaîne son mouvement, un ginger d'un bras. Je le trouve pas très rapide autour de cette barre, il manque de rythme. L'engager avec le tour en disloc est obligatoire. Est obligatoire, oui. En dislocation. En dislocation, oui. Dislocation. Et voici la sortie. Sortie simple, double supérieur tendu avec une vrille parfaitement stabilisée. Voilà, il est probablement dans le même état d'esprit que vous hier soir. Je pense. C'est-à-dire, en clair, un peu déçu. Et on se dit quoi beaucoup. On se dit quoi? Je crois que... hier, moi, j'arrivais pas à penser. Quoi. Je savais pas quoi penser. Je savais pas si c'était dire, ouais, voilà, c'est vraiment nul. Du moins, t'es vraiment nul. Laisse un peu de temps passer et puis on verra plus tard, quoi. J'espère que j'en ferai pas trop de cauchemars, quoi, c'est tout. En tout cas, vous allez vous prendre quelques vacances et puis réattaquer l'entraînement dès le mois de septembre en team. Ouais. Quel est votre objectif futur? Toujours spécialisé sur les arçons? Spécialisé sur les arçons, mais je continuerai à faire le concours général puisque je pense que j'ai encore quelques capacités. Sur les autres agrès? Voilà. Mais sinon, j'attends de voir le nouveau code parce que peut-être par rapport à mon travail, sur certains agrès, le nouveau code me sera favorable ou défavorable, je ne sais pas encore. Donc, on ne peut pas encore vraiment prévoir l'avenir. Quelles sont les prochaines échéances en gymnastique? Il y a les Jeux méditerranéens au mois de juin ou juillet 97. Ensuite, nous avons les Universiades, pas du monde universitaire. Et on terminera par les Chevaliers du Monde au mois de novembre. 9,35 pour Carballo. Normal avec...